Qu'est-ce qui explique ce gap? Ce gap. Déjà, c'est une spécialité. Pour ce que j'ai vu, hein, je ne suis pas médecin, mais à force de les côtoyer, c'est une spécialité assez difficile à gérer émotionnellement. Parce que c'est une spécialité où le taux de mortalité étant assez élevé. De combien de Donc, pourcents? non, puisqu'on dit qu'on a un taux de rémission de Ça 30 à dépend. 40 %, donc ça veut dire qu'à l'inverse, on a un taux de mortalité de 60 à 60, 70%. 70 %. Donc, en fait, un enfant que tu accueilles, tu as plus d'une chance sur deux que cet enfant meure. Donc, c'est vrai qu'on dit ils sont médecins, il faut être détaché, mais ce sont des enfants. Qu'on le veuille ou non, tu as une tendance à t'attacher un peu à ces enfants, à espérer que ça ira pour eux. Donc, vous imaginez, tu vas à la maison, tu reviens le lendemain, on dit à ton patient que tu traitais, Est le lit est décédé. vide, il est décédé dans la nuit. Donc, c'est difficile, c'est lourd émotionnellement. Et je pense que nous, on voit que ce n'est pas subventionné pour les parents, pour les enfants, mais peut-être que par derrière aussi, en termes de confort, de traitement pour les médecins, peut-être qu'il n'y a pas assez de financement qui arrive là-bas. Donc, ils n'ont peut-être pas toutes les conditions requises. En tout cas, l'un dans l'autre, c'est une spécialité pour l'instant qui est un peu boudée. Voilà. Par les médecins. On va revenir au bilan initial. Comment le cancer pédiatrique est diagnostiqué? Lorsque on soupçonne, hein, on a vu les signes d'appel, les signes qu'on voit, et lorsqu'on réfère un enfant dans l'un des deux hôpitaux que j'ai cités, les médecins vont prescrire ce qu'on appelle un diagnostic initial. Ça passe par des examens de sang, ça passe par des radios, voilà. Donc, mais ça met du temps. C'est le bilan initial, il faut compter 2, 3 mois avant de pouvoir finir toute la batterie de tests et d'examens qui vont permettre de préciser le type de cancer et de faire sortir le protocole de traitement de Vous l'enfant. parlez de protocole, c'est un protocole qui est généralisé Non, ou... non, le traitement n'est pas généralisé. On a des médicaments, mais justement avec le bilan initial, le médecin va adapter le traitement pour chaque enfant. Il va définir dans la chimiothérapie de tel enfant qu'est-ce qu'il faut mettre dans le médicament. Est-ce que pour tel enfant, on va associer la chirurgie à la chimiothérapie, ou bien est-ce qu'on fera uniquement de la chimiothérapie, ou bien est-ce qu'on va faire un peu de radiothérapie. Avec le centre Alassane Ouattara à Cocody, c'est vrai que ce centre-là n'a pas de vocation pédiatrique. Il a été construit pour des adultes. Adulte. Mais la responsable du centre, docteur Didi Coco, qui est très sensible à la chose, une dame adorable, elle fait vraiment beaucoup d'efforts de faveur. Lorsqu'il y a des enfants qui, dans le cadre de leur traitement, ont besoin d'une radiothérapie, elle essaie de faire des adaptations avec son matériel pour pouvoir prendre en charge certains enfants. D'accord, on va revenir à votre ONG. Votre organisation vise à promouvoir toutes les actions en faveur d'une meilleure prise en charge de ces enfants atteints du cancer. Cancer. Quels sont les principaux programmes et services que vous vous Nos proposez à ces programmes. enfants-là? Donc, nous faisons un accompagnement, un soutien financier, parce que comme on a eu à le voir, c'est une maladie qui mobilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, nous faisons un soutien financier, nous apportons de l'argent au niveau de la caisse d'urgence. Au niveau de l'unité d'oncologie pédiatrique, ils ont mis en place ce qu'ils appellent une caisse d'urgence. Donc, chaque fois qu'on a des donateurs qui nous font de bons dons, on va et on dépose des enveloppes d'argent. Et le responsable du service social là-bas, il l'utilise en fonction de l'arrivée imminente des patients. Et quand ça finit, il nous fait le point. Voilà les patients qui ont bénéficié de votre enveloppe. Voilà combien de patients on a pu aider et qu'on peut. Mais il faut avouer que, étant donné que nous ne vivons que de dons, C'est ça. il y a des moments où on nous sollicite, mais nous n'avons pas d'argent Pour pouvoir aider pour ces pouvoir personnes. réagir. Donc, on fait des dons en espèces. On fait des dons en médicaments anticancéreux. On achète souvent des stocks de médicaments qu'on dépose à l'unité pour que lorsqu'il y a des ordonnances, quand il y a des médicaments disponibles, on leur donne les médicaments Gratuitement. gratuitement. Et c'est les médicaments qui ne sont pas disponibles que les parents iront chercher en pharmacie. On fait aussi beaucoup de campagnes de dons de sang dans les entreprises et autres, parce que le cancer est une maladie qui entraîne beaucoup d'anémie chez l'enfant dans le traitement avec la chimiothérapie. Ils sont tout le temps en besoin de sang. Donc, on organise beaucoup de campagnes de dons de sang pour soutenir le CNTS afin qu'il y ait toujours de la disponibilité pour ces enfants-là. Et puis, on essaie de temps en temps d'organiser des activités récréatives pour eux. C'est vrai qu'ils sont malades, mais ce sont des enfants. Il Effectivement. faut de temps en temps arriver à les distraire un peu par des petites activités, des spectacles de clowns quand on le peut. Et puis, on aide quand on le peut les enfants en rémission,
c'est ceux qui vont mieux. Oui. On les aide à se réinsérer scolairement par des dons en kits scolaires, des petites enveloppes aux parents pour les aider dans les inscriptions des enfants. Et enfin, nous faisons aussi une aide au niveau de ce qu'on appelle la maison d'accueil. Comme je vous l'ai dit, il y a, la plupart des familles viennent de l'intérieur et ils n'ont nulle part où rester. Donc, il y a une maison qui est prise en charge par une ONG italienne, mais au niveau du fonctionnement courant, il y a souvent des blocages en termes de nourriture, entretien de la maison. Donc, nous faisons des apports en vivres, en vivres et en non-vivres, en produits d'entretien pour cette maison d'accueil, pour les familles qui sont logées là-bas. Au-delà de cette aide que vous apportez aux familles, est-ce que le volet psychologique est également pris en compte? Oui, le volet psychologique est pris en compte. Déjà, il faut préciser que depuis maintenant quelques années, vu la sensibilité de la maladie, il y a des psychologues volontaires, beaucoup de psychologues volontaires qui interviennent au niveau de ces différents centres de prise en charge du cancer. Et nous, nous venons en appoint. Lorsqu'il y a l'arrivée de nouveaux patients, de nouvelles familles, on essaie de les encadrer, de leur dire non, n'ayez pas peur, ce n'est pas la peine de vous enfuir. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est cher, c'est coûteux, ça, c'est effrayant aussi qu'on entend le cancer, mais vous n'êtes pas les seuls. On les met en rapport avec d'autres familles qui vivent la même chose, qui sont en train de passer à une autre étape chez qui l'enfant est en train de présenter des signes de guérison pour les rassurer. Voilà, donc on essaie, quand il y a des arrivées de nouvelles familles, l'unité d'oncologie nous appelle pour qu'on ait des représentants qui viennent pour accueillir ces nouvelles familles et les encadrer. Vraiment. Et nous sommes le 15 février, on célébrait la journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant. Est-ce que vous pensez que vos actions sur le terrain portent? Oui, vraiment, je peux dire que depuis quelque temps, nous voyons quand même des améliorations parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation qui ont été faites aux personnels soignants de l'intérieur du pays avec d'autres laboratoires comme Bayer et autres, avec les médecins oncologues. Des campagnes conjointes ont été organisées pour former les personnels à l'intérieur du pays. Et vraiment, cette formation-là, on a ressenti l'impact. Parce qu'aujourd'hui, l'un des premiers moyens pour améliorer le taux de suivi du cancer de l'enfant, c'est de le diagnostiquer tôt. Pour le diagnostiquer tôt, il faut que les personnes qui sont en contact avec les enfants à l'intérieur du pays soient sensibilisées à ce qu'on a appelé les signes d'appel. Les symptômes. Donc, depuis qu'on a commencé à faire cette tournée, on n'a pas encore pu couvrir toute la Côte d'Ivoire, mais on a quand même fait. Et on est passé, comme je dis, de 10-15% il y a quelques années à plus de 30% aujourd'hui. Donc, c'est déjà bon, mais ce n'est pas assez. Ce n'est vraiment, vraiment pas suffisant parce que dans les pays développés, on parle d'un taux de rémission de 80 à 90%. C'est pour dire que là-bas, le cancer de l'enfant tue moins de 10% des enfants touchés. On ne prétend pas être un pays développé, mais on peut tendre au moins vers quoi, 70% de taux de rémission, puisqu'on sait que quand ce cancer est diagnostiqué tôt, il peut être traité. Donc, c'est vrai que nous, les ONG, on fait de notre mieux, mais on ne vit que de dons. On ne vit que de dons. Comme je vous l'ai dit, il y a des moments où on nous sollicite et on n'a pas d'argent. Et si tu as un déchirement au cœur de savoir qu'en ce moment-là, quand tu ne réagis pas, mais c'est un enfant qui est condamné à mort. On ne peut pas. Les cas sont nombreux, on ne peut pas seul faire face, on a besoin de l'aide de l'État. Donc profitez de l'occasion. On a besoin de l'aide de l'État, on a besoin qu'il y ait plus de lits d'hospitalisation, qu'il y ait des hôpitaux consacrés au cancer de l'enfant, avec une prise en charge, une bonne subvention des médicaments. Les médicaments coûtent trop cher. Vous avez des médicaments, une seule boîte à 400 000, parfois 700 000 francs. On va dire aux parents, il te faut deux boîtes, il te faut trois boîtes. Et quand on vous dit ça, ce n'est pas pour une seule fois. Dans le mois, vous pouvez payer deux fois, trois fois, chaque mois. Mais où les parents peuvent trouver cet argent? Comme je dis, même pour ceux qui travaillent, c'est intenable. À plus forte raison pour des populations rurales qui se débrouillent avec son champ et autres. C'est intenable. Et les besoins sont tellement énormes que nous, les ONG, on fera toujours de notre mieux pour les aider. Mais nous ne pouvons pas. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire et des choses que l'État doit pouvoir prendre en charge. C'est-à-dire la construction d'un bon hôpital avec une
une bonne capacité pour les enfants, de bonnes subventions pour les médicaments, pour les traitements, pour les soins, et aussi des prises en charge pour les maisons d'accueil. Parce que partout ailleurs, lorsqu'on construit un hôpital de cancer d'enfants, on construit toujours à côté une maison d'accueil. Mm-hmm. Ici, cette maison d'accueil est le fait des ONG. Donc, espérons que votre message puisse trouver un écho favorable. J'espère. Et aussi, toutes les entreprises qui peuvent nous aider. Aujourd'hui, toutes les entreprises parlent de RSE, RSE, RSE. Vraiment, venez faire le RSE avec nous. On en a besoin. On a besoin de dons. Et ce ne sont pas de petits dons. Oui. On a besoin d'accompagnement. On a besoin que des fondations comme Orange et autres puissent nous accompagner. On a besoin que des maisons d'assurance qui ont besoin de faire du RSE puissent nous accompagner. Nous avons besoin de l'aide de tous ceux qui peuvent. Parce que c'est un véritable drame. C'est-à-dire, tant qu'on ne l'a pas vu, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais il y a des gens qui souffrent énormément à côté de nous. L'espoir est permis. Oui. Merci à vous, Madame Dautia, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée, parce que vraiment, il faut parler. C'est à force d'en parler qu'on va réussir à changer les choses. Effectivement. Donc, merci à vous pour l'opportunité. Ainsi prend fin ce numéro de C'est-à-dire consacré au cancer pédiatrique. Merci de votre attention. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.